Les filles. Hello, hello, bienvenue. Vous êtes déjà 4 connectés. 5, super. J'espère que ça va. Moi, sincèrement, c'est galère. C'est galère ce matin. Je poste juste ma petite story sur Insta. Et vous savez, le petit story que je fais juste avant pour essayer de motiver les troupes. Et donc, il faut que je la poste juste là, parce que je suis un peu à la bourre. Bon, tant pis, je ne mettrai pas de texte. Hop, let's go. Tchic. Et voilà. Ça va les filles, la forme ce matin? En ce lundi matin. Bon. Pareil, comme d'hab, on va commencer relativement rapidement parce qu'on n'a pas le temps de papoter. On va s'échauffer tranquillement. On va faire en fait, en guise d'échauffement, les mouvements de l'entraînement. 5 exercices pour cet entraînement. 40 secondes pour chaque exercice. 15 secondes de repos. Laissez-moi voir un truc. Parce que je me rends compte que je n'ai pas fait les setups. Tchic. Voilà, donc ouais, on va faire les 5 exercices en guise d'échauffement. Total body, vous avez besoin d'une paire d'haltères ou de bouteilles d'eau si vous n'avez pas d'haltères. Voilà, j'ai set up le petit timer, donc dans 18 minutes 20, nous avons fini exactement. Vous allez voir, c'est complet, vous allez voilà, travailler tout votre corps, votre cardio. Je vais donner les modifications pour les femmes enceintes et les jeunes mamans, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Je vais le mettre là-bas, vous allez me dire si vous m'entendez bien. Dites-moi dans les commentaires, les filles, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Dites-moi tout. Et puis, on va commencer. On va commencer. Petite note aussi, comparée. Enfin, d'habitude, je peux rester sans souci si mes filles se réveillent. Là, si mes filles se réveillent, je vais devoir écourter le live. Mon mari n'est pas là. Donc, du coup, il n'est pas là pour s'occuper, pour s'occuper d'elle si elle se réveille. Donc, excusez-moi si vous voyez partir, enfin, si je vous dis, ah ben les filles pleurent. Il va falloir que j'y aille. Super, Emily. Bon, on y va, les filles. Let's go. On ne veut surtout pas être en retard. Hein, lundi matin. Allez, donc on commence. On commence, on commence. Le verre d'eau, on va le mettre là, ce sera mieux. Mon petit bordel, vous n'avez pas besoin de le voir. Voilà. On est bien. Donc, premier exo, vous allez venir sur votre tapis de sol allongé sur le dos. Je vais prendre un coussin pour les femmes enceintes, jeunes mamans, surtout femmes enceintes, si vous êtes, on va dire, deuxième trimestre, vous avez un gros ventre et que vous n'aimez pas être sur le dos complètement. Vous pouvez prendre un coussin, même plusieurs coussins, que vous pouvez mettre comme ça sous vos épaules. Alors, toujours, hein, on s'allonge en mode sirène. Et on se retourne, d'accord? Donc, femme enceinte, jeune maman, n'hésitez pas à mettre des coussins pour que vous soyez, voyez, bien confortable. Il ne faut pas que votre cou travaille ici, mais vous êtes bien. Et juste comme ça, vous êtes complètement en position couchée. Tout le reste, on se met couché, normal. Hop, voilà. Et on va venir faire un pont. Donc, lever les fesses et en même temps, lever une jambe. La jambe, elle essaie, vous voyez, d'être alignée avec celle-là. On descend, on plie, mais les fesses, on les laisse lever du sol. On ne repose pas au sol. Inspire. Et expire. Respiration. On tente, on pousse bien sur le talon et on sent le fessier de la jambe au sol qui s'active. On essaie de bien tirer son genou vers l'extérieur. On pointe son pied et on tire son genou. Ça va? On change de jambe? Donc là, ça va être très bien pour activer les fessiers. Vous devez déjà sentir le burn qui commence. Donc ici, là, on est relâché. Hein. On n'a pas les épaules comme ça, vous voyez. Non, on est bien étiré. Allez, et on pousse sur ce talon. On sent ce fessier qui s'active. Allez, le petit dernier. Yes, super. Donc je demande femme enceinte. Vous pouvez faire femme enceinte un petit coussin si vous n'êtes pas bien allongé. Mais sinon, vous pouvez faire ce mouvement sans souci. Ça va? Alors, coucou les filles, hello hello à celles qui sont arrivées. On est à l'échauffement, je vous montre juste les mouvements.
on s'échauffe et comme ça vous connaissez les mouvements et on peut enchaîner de manière rapide, efficace et je ne parle pas trop pendant l'entraînement à tout vous expliquer. Ok? Deuxième exo, prenez vos haltères. Ça va? On va venir faire des fentes rowing, deadlift rowing fente. Ça donne ça? Vous mettez les haltères devant vous comme ceci. Les pieds bien ancrés au sol. Vous êtes bien droite, sangle abdominal engagé. Là, vous venez reculer vos fesses. C'est votre bassin, hop, comme ça, qui se plie. D'accord? Le dos est bien droit. Vous êtes ici. Les jambes sont déverrouillées. Donc, ça veut dire qu'elles sont tendues, mais vous voyez, elles ne sont pas complètement comme ça. Elles sont hop, légèrement pliées. Mais ici, je sens qu'il y a une tension au niveau de mes ischio. Sangle abdominal engagé. Alter, on les ramène sous les aisselles. On redescend. On remonte, on pousse sur les talons. Et là, on vient se faire une petite fente d'un pied. 90 degrés, vous voyez, en positionnement. Hop, on pousse, on revient. Deadlift, rowing. Et on change de jambe. Du coup, je ne sais plus ce que j'ai fait. Voilà, hop. Et on change de jambe. Ok, allez. Un petit de chaque côté encore. Descends. Oui, descend, pousse et fente. Ça vous va? Allez, troisième exo, fente trois temps. On reste sur ces fentes, on continue de bien brûler ses fessiers, de bien travailler ses fessiers et ses jambes. Donc, on descend en fente, hop, biceps curl, on reste comme ça, 1, 2, 3, on pousse, on rabaisse les bras. Biceps curl, 1, 2, 3, on pousse, on revient. Allez, ça jeune maman femme enceinte, vous pouvez le faire sans souci. Vous pouvez, si vous voulez réduire, voyez, la grandeur de votre fente. Vous n'êtes pas obligé de faire une aussi grande fente, surtout pour les mamans enceintes. Ok? Et si vous voyez que le travail avec les haltères, c'est compliqué au niveau de l'équilibre, il y a trop de choses, vous laissez les haltères au sol et vous venez juste vous faire des petites fentes comme ceci à l'aide d'un mur ou d'une chaise. D'accord, ça va les filles? Et... avant-dernier exo, femme enceinte, jeune maman, je vous montre, vous descendez comme ceci, vous avez vos poings, on va se faire venir des petits kicks, donc vous descendez et vous faites, alors attendez, voilà, vous allez d'un côté puis de l'autre, vous passez votre poids droite puis gauche, d'accord? Parce que vous n'allez pas faire deux sauts, tout le reste vous donnez. Une squat sautée, c'est dur ce matin, c'est très très dur pour moi. Et des petits kicks, enfin gros kicks, punch pardon. Hop, on descend, pardon, je vous dis que c'est dur, on saute. Vous pouvez faire celles qui ne peuvent pas faire l'impact, vous faites la même chose sur les impacts. Ou la version, comme j'ai dit. De traveling, hop, ça va? Et ensuite, dernier exo, levée de jambe vers le coude opposé. Donc, vous prenez votre jambe droite, d'accord? Planche bien droite. Vous allez venir la monter au plafond et la ramener vers votre coude opposé. Et ça donne ça. Donc là, quand vous êtes en haut, vous contractez bien les fessiers. Il faut que ça travaille votre fessier. Vous êtes bien gainé, bien étiré. Vous repoussez bien le sol dans vos mains. Et vous enchaînez comme ceci pendant 40 secondes. Là, pour l'échauffement, on va se faire l'autre côté. Donc, changez de jambe, s'il vous plaît. Allez. Allez. Deux petits derniers. Super. Planche, on contrôle. Venez là sur le sol comme ceci. On se fait un petit cobra comme ça. Pour bien mobiliser le dos. Ok. Go. Go, go, go. Vous êtes prêtes les filles? On y va. Je mets le timer. 6h25. Allez, grand max 45. On a fini, d'accord? Allez.
Donc on est parti, vous vous mettez au sol, allongez-vous et on vient se faire nos petits, notre pont avec les deux jambes. Allez, on commence par la jambe droite au sol. Allez, c'est parti, inspire et expire. Montez bien, poussez bien sur ce pied au sol. Vous devez relativement sentir assez rapidement que votre fessier travaille. Ici, quand vous expirez, vous devez bien sentir votre sangle abdominal qui s'engage à chaque fois. Ça, on n'oublie pas toujours. On essaie de penser à son périnée, qu'on aspire légèrement. Et cette sangle abdominale qu'on resserre. Cette grosse gaine qu'on resserre. On se tourne comme ça sur le côté. On se remonte. On vient prendre nos fentes et on est parti avec nos fentes, nos deadlift, rowing, fentes. Allez, positionnement, chez largeur des épaules, on descend. Jambes déverrouillées, rowing. On remonte. Allez, on commence tout le temps par la jambe droite. La jambe droite au sol. D'accord, comme ça on fait travailler sur ce tour la fesse droite, les fessiers droits. Et puis après, on va se faire, j'ai oublié le rowing, mais ça c'est normal quand je parle, j'oublie toujours. Quand c'est un petit exercice compound, c'est un petit peu dur. Et voilà, donc on se travaille nos fessiers droits. C'est pas possible. Je me tais les filles, je me concentre. Yes. Puis après, du coup, on changera de côté. Allez, nos fentes trois temps avec nos biceps curls, on reste au même endroit. Et on est parti, on envoie notre jambe gauche en arrière. Allez, fente, biceps, 1, 2, 3, et pouce revient. 1, 3. Vous voyez, vous pouvez faire de manière plus rapide comme je fais. Allez, 1. Enceinte, généralement, n'hésitez pas, c'est bon, vous pouvez le faire sans souci. Vous voyez juste, comme je vous disais, à l'échauffement, la longueur de votre, la largeur de votre pas. C'est vraiment de bien descendre, vous rebondissez bien pour que le fessier s'active, que ça travaille. Mettre ce muscle sous tension musculaire vraiment pour que, pour l'idéal, c'est bah, du coup après se développer. Allez, squat sauté. Et les punch. Femme enceinte, jeune maman, vous vous souvenez, vous êtes comme ça. Le reste, c'est parti. On atterrit avec douceur. Rebondissez bien. Et on amortit. Très important. Yes. Il est bizarre cet exercice. Bon, en tout cas, ça va être avec les bras. J'ai un petit défaut de synchronisation. Allez, levez deux jambes et on lève et on ramène au coude. C'est parti. Donc là, toujours, on a dit qu'on travaillait notre jambe droite. Donc on la lève parce qu'on veut continuer d'activer ses fessiers. Allez les filles, il est très complet cet exo, j'aime beaucoup. C'est renforcement musculaire en même temps, un petit peu de yoga. J'aime beaucoup, mais très challengeant aussi. Et excusez-moi les femmes enceintes et les jeunes mamans, je ne vous ai même pas donné la modification parce que là, bien sûr, vous ne le faites pas. Je vais mettre pause, mille excuses. Je vous dis ce matin, c'est un peu dur. J'ai deux mariages ce week-end, vous pouvez imaginer qu'il y ait des petits excès et que bah, le lundi matin, c'est dur. Femme enceinte, jeune maman, pour celui-là, vous vous mettez à quatre pattes, d'accord? Jambes sous les hanches, mains sous les épaules, pardon.
Et vous venez juste monter, je vais le faire de ce côté, monter votre jambe comme ceci. Voilà, en gardant bien vos hanches stables. Et vous montez, vous sentez vos fessiers qui s'activent. Et bien sûr, vous essayez de garder toujours votre sangle abdominal activé. D'accord? Ça va? On va enchaîner avec la deuxième série. Salut, Mel. Ok. Allez. Oh là là. On s'allonge. Et cette fois-ci, on vient faire notre jambe gauche. C'est parti, on est bien positionné. On pousse. Poussez bien, sentez le burn. Essayez vraiment de monter cette jambe à hauteur de la jambe au sol. Ça sert à rien de trop monter comme ça. Vous voyez, hop, tout est aligné. Essayez de ne pas vous aider de vos bras au sol. On les laisse comme ça ou comme ça, mais vous ne poussez pas dessus parce que le corps a tendance un petit peu à tricher des fois et à céder en poussant un petit peu. Non, vraiment, la montée, ça se fait que via la force du talon. Ok? Allez, deadlift, rowing, fente. Let's go les filles. J'ai largeur des épaules, mais bien droite, bien engagée. On descend, rowing, hop, les bras restent bien le long du corps, d'accord? On remonte, on pousse sur les talons. Et là, on vient du coup reculer notre pied droit et on travaille notre pelvis gauche. Yes, allez, on active le rythme. On pousse bien. Et j'ai encore oublié le rowing, c'est pas possible. Je vous jure. Moi, ce matin, d'ailleurs, je pense quoi, j'étais bonne à rester dans mon lit. Mais non. Parce que je n'ai pas écouté toutes mes excuses. Après, en même temps, j'avais un rendez-vous avec vous. C'est dur de vous mettre un lapin. Mais en règle générale, même quand je suis toute seule, ce que j'ai essayé quand c'est dur, c'est que je ne réfléchis pas. Le réveil sonne. Là, bien sûr. Fin de trois temps de biceps carré. Allez, on emmène sa jambe droite en arrière. 1, 2, 3 et on monte. Quand c'est dur comme ça, alors là tout de suite on se dit, bon allez, je snooze. 7 minutes de plus de sommeil, ça va faire toute la différence. C'est ce qu'on se dit alors qu'en fait non, pas du tout. Donc ça sert à rien. Il faut pas snoozer. Il faut allumer sa lumière direct si vous pouvez. Moi, je ne peux pas le faire. Et je pense que beaucoup d'entre vous ne peuvent pas le faire non plus si votre conjoint ou je ne sais pas, ou même vos enfants avec vous dans le lit. Mais il faut se lever direct, en fait. Et essayez de vous étirer tranquillement. Vous mettez assis sur votre lit. Et puis là, ça y est, au moins vous êtes à la verticale. Vous prenez, si vous voulez, votre verre d'eau. C'est toujours bien d'avoir à côté votre petite bouteille d'eau. Vous buvez. Squat sauté et punch les filles. Allez. Vous voyez, en fait, c'est là. Moi, j'ai un petit peu du mal au niveau de la synchro, c'est trop bizarre. Avec mes bras, je ne fais pas comme d'habitude. Est-ce que vous aussi, vous avez un truc bizarre qui se passe ou c'est que moi? La gauche, elle ne sait plus faire de squat sauté avec ses bras. C'est quand on change un mini truc. C'est bon. Allez, on se met en planche et on vient lever cette fois-ci sa jambe gauche. Donc, quoi, je vous disais, vous buvez votre petit verre d'eau, vous êtes déjà à la verticale, vous êtes déjà assis. Donc, levez notre jambe gauche. Et on la ramène vers le coude opposé. Let's go. Comme on s'en normalement, vous vous souvenez? Hop, celui-là. Mille excuses encore pour l'oubli. J'espère que vous êtes rendu compte que ce n'était pas non plus le mieux. Alors, c'est pas catastrophique si vous l'avez fait. Mais c'est vrai que pour votre sangle abdominal, surtout si vous êtes enceinte, si vous êtes à la fin de votre grossesse, vous allez vous dire, mais attendez là, qu'est-ce que c'est que cet exo de ouf? Et puis, toute jeune maman,
Alors, bien sûr, hein, tous les exercices, tous les entraînements que je propose le lundi matin, c'est jeunes mamans ayant effectué leur rééducation du périnée et rééducation abdominale, d'accord? Et du coup, ouais, si jamais votre sangle abdominale n'est pas encore super, super forte, bah, c'est un peu... c'est pas l'exercice optimal, on va dire. Allez, on est parti. On pousse sur notre jambe droite. La gougneuse des filles, c'est qu'on est à la moitié de l'entraînement. C'est de bien... Même les doigts, vous voyez, c'est de bien les étirer. Vous êtes bien étirés partout. Ah là, ça brûle un petit peu, non? Bon, c'est bien, votre sangle abdominale. On la resserre. Yes. On se tourne, on pousse et on remonte. Allez, deadlift, throwing, fente. Facile fente, on envoie notre pied, pardon, notre pied gauche derrière, retravailler notre postérieur droit. Throwing, on remonte. Hop. Cet exercice, si vous avez différents poids chez vous, vous pouvez sans souci augmenter la charge. Vous voyez, si vous avez là que des 2 kg depuis le début, vous pouvez sans souci prendre des 4 kg, des 5 kg même, pour les plus confirmés. Ça rendra l'exercice beaucoup plus challengeant. Vous voyez, moi je le fais, c'est des 2,5 kg, franchement, le double, ce serait limite le minimum, quoi. Là, je ne le fais pas. Alors, c'est bien si vous avez des poids faibles, mais dites-vous que plus vous augmentez les charges, plus ça vous aidera à développer votre masse musculaire. Et puis, vous verrez des résultats beaucoup plus rapides. Allez, c'est parti. On est parti avec nos fentes. 3 temps. 1, 2, 3. On envoie notre pied gauche. 3. Donc oui, tout à l'heure, je vous parlais un petit peu du matin, des difficultés à se lever. Il faudra me dire dans les commentaires si vous avez, si c'est vraiment un challenge pour vous de vous lever plus tôt ou pas, ou si c'est quelque chose qui est habituel et que ça ne vous pose pas trop de problèmes. En tout cas, si c'est un gros effort pour vous, bah déjà, félicitations d'être là. Et comme je vous le disais, il y a des moments voilà, où c'est vraiment dur. Et là, ça ne va pas aller en s'arrangeant avec l'hiver qui approche, les jours qui raccourcissent, où on se lève, il fait nuit, c'est encore moins motivant. Donc c'est ça, en fait il faut pas trop. Allez, squat sauté et punch. Je vais continuer de parler, moi je vais me faire sans les sauts et puis comme ça je vais peut-être moins galérer avec mes bras. Et je vous disais quoi déjà? Je vous disais que ouais que ça allait être dur là, avec l'été. Et donner du punch. Hein. Moi là je suis en mode tranquille, mais faut que je vous parle. Faut que je vous dise des choses importantes, mais vous. Vous y allez, vous donnez de l'intention de vos punches, vous pensez à tout le stress que vous pouvez encore avoir. Je ne l'espère pas ce lundi matin, mais si vous l'avez, ben vous le punchez. D'accord? Donc du coup, je vous disais le matin, essayez de ne pas penser à ça, cette galère de se lever, c'est dur, j'ai envie de me recoucher et tout. Essayez de penser à ce feeling que vous avez après votre entraînement. Ce feeling de bien-être que vous avez, que vous ressentez. C'est parti, on lève la jambe droite. Pensez à ce feeling de bien-être, ce sentiment de fierté que vous avez après chaque entraînement. Et en fait, c'est ça qui va vous motiver à vous lever les matins où vous ne le sentez pas. Vous voyez, moi, tout à l'heure, vraiment, je vous jure, j'avais vraiment pas envie, mais vraiment. Et là, je suis lancée. Alors, je galère peut-être, vous voyez. Je galère, sincèrement. J'ai du mal, je fais plein d'erreurs. Je parle, je m'embrouille un peu dans mes discours et tout. Bon, bah, c'est pas grave, j'espère que vous m'en excuserez. Mais au moins, je suis contente, je l'ai fait. On va se finir là, dans même pas 5 minutes. Et voilà, et on l'aura fait tout ensemble. Et on sera fiers de nous. Donc, dites-vous ça à chaque fois que vous galérez. Que vous serez fiers de vous et que ce sera fait
ce sera plus à faire. On pousse. Allez, hein, jambe gauche. Hein. Est-ce que vous sentez vos fessiers qui travaillent? Vous devez sentir également votre cuisse, hein, vos quadriceps qui travaillent un petit peu. En fait, le fait de bien les tirer, ça permet aussi de l'activer en plus de nos muscles fessiers. Yes. C'est toujours super rapidement celui-là. Allez, deadlift, rowing, fente. On se positionne. Donc là, si vous devez partir, si vous devez vous arrêter, l'entraînement sera dispo en replay. Donc vous pouvez le faire et le refaire quand vous voulez. Hop là, on envoie la jambe droite. On pousse sur le talon. On descend. N'oubliez pas votre ongle abdominal. Ici, je ne veux pas avoir de vent qui relâche. Non, on le maintient. D'accord ? Allez à votre rythme. Donc là, vraiment, exercice très complet qui fait travailler les fessiers, les ischio-jambiers, qui sont les muscles derrière vos cuisses et votre dos, si vous n'oubliez pas le rowing, comme moi. Allez. On a fini les filles. Essayez de bouger pendant votre phase de repos. Celui-là, il est beaucoup moins cardio que la semaine dernière. Allez, fente. Biceps curl. 1, 2, 3 et on monte. 1, 2, 3. Donc si vous voulez vous faire un entraînement cette semaine beaucoup plus challengeant encore que celui-là, n'hésitez pas à aller faire celui de la semaine dernière que vraiment j'ai beaucoup aimé. J'avais beaucoup plus la forme d'ailleurs. Ou sinon vous refaites celui-là, mais vous montez vos poids. Vous voyez pareil, celui-là, moi je pense que là, un petit aller. Ouais, ça va jouer à pas grand-chose, mais en 3 kilos, juste 500 grammes de plus. Vous voyez, pour les biceps curls, j'aurais senti un travail beaucoup plus efficace. Là, je sens ça travaille, mais je sens que je peux faire plus. Vous voyez, sur un faible nombre de répétitions comme ça en biceps curl, on en fait quoi? Allez, 5 à peu près pour chaque série, je peux faire plus lourd. Allez, squat sauté et punch. Allez les filles, là, moi, je vais essayer. Je le fais, j'arrête de vous parler. Je vais me concentrer avec mes bras. En fait, c'est ça. C'est quand je descends, je vais les envoyer. Alors que non, c'est quand je saute. Je sais pas pourquoi. Mon cerveau, il a fait un truc bizarre depuis tout à l'heure. Allez, donnez l'intensité. Allez les filles, tenez bon. Yes. Petit dernier. Nos levées de jambe. Avec notre jambe gauche, on lève au ciel. Let's go. Planche. On lève la jambe gauche bien haut. On lève contracte le fessier. Et c'est parti. Enfin, mon simple mouvement, n'oubliez pas hein, le mouvement que je vous ai recommandé. Pas celui-là. Allez, 15 secondes, tenez-vous. C'est de bien garder un bon positionnement, même si vous êtes fatigué. Contractez bien le fessier en haut. Et on relâche. Super, les filles. Et voilà, vous êtes all good for the day. Bravo à vous. Bravo, bravo, bravo à vous. Comment ça va? Dites-moi dans les commentaires. Super Sarah. Ah, est-ce que ça va? C'était facile? C'était dur? C'était challengeant? Comment vous avez trouvé? Dites-moi. Est-ce que vous avez galéré comme moi ou genre vous n'étiez pas réveillée? C'était assez dur? En tout cas les filles, buvez bien. Petit déj maintenant. Enfin, peut-être apprenez un petit peu à Laetitia.
Ok, Laetitia. Laetitia, j'ai bugué sur tout le monde. Je me suis dit Laetitia Yoga et Montessori. Je me suis dit, mais hey, c'est la maîtresse de ma petite fille qui s'appelle aussi Laetitia. Et elle est dans l'école Montessori, donc du coup, j'ai dit, oh, peut-être que c'est elle, mais j'ai pas l'impression. Et vigoureux, c'est passé très très vite, mais carrément, c'est ce que j'ai trouvé aussi. Pour une reprise, très bien. Bah, écoutez. Je suis contente que ça vous ait plu, les filles. Donc, comme je vous disais, hydratez-vous bien parce que mine de rien, on transpire. Moi, je transpire quand même, je sais pas vous. Petit déj, hein, essayez comme d'hab, faire un petit déj relativement bien équilibré. On s'empiffre pas de sucre, vous savez, de confiture, de trucs comme ça. On essaie de faire voilà, des choix relativement sains parce que ce serait dommage de gâcher toute cette bonne dynamique sur laquelle vous avez commencé lundi début de journée. Donc essayez de bien manger et puis voilà. Et puis demain vous pouvez vous refaire un petit entraînement si vous voulez parce que celui-là il était intense, mais voilà, vous pouvez vous refaire une petite séance tranquille demain. Donc soit ça, soit si vous êtes trop fatigué. Soit si vous êtes trop fatigué, vous pouvez vous faire une séance de stretching, une séance de pilates, des choses comme ça. Voilà, c'est tout les filles. En tout cas, merci d'avoir été là, de m'avoir accompagnée ce matin. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, du coup, 6h15, en meilleure forme pour moi. Super début de semaine. Super, ravie Stéphane. Ah, mais Stéphane, t'es encore là, c'est super. Merci de ta fidélité. Je me souviens de toi par ton prénom. Ce joli prénom au féminin d'ailleurs, qu'on entend trop peu. Mais voilà, les filles, je vous laisse, je vous libère, je vous dis à bientôt. On se suit sur les réseaux, vous pouvez me voir, retrouver tous mes petits conseils, mes trucs sur Insta, sur YouTube. En ce moment, je ne fais pas trop de vidéos YouTube, mais sur Insta surtout. Et puis sur Women Studio toujours, où bah, vous avez tout plein de vidéos, vous pouvez faire comme vous voulez. La thématique du mois d'octobre sort mercredi, non jeudi pardon, le 1er octobre. Donc voilà, restez à l'écoute si vous êtes intéressés, ça va être une super thématique avec une experte aussi au top, une naturopathe qui va nous dévoiler plein plein de conseils sur une thématique que je ne dévoile pas encore aujourd'hui. Vous en saurez très bientôt, bah, voilà, très bientôt dans quelques jours. Je vous dis à très bientôt les filles, gros bisous!